Voilà, alors là c'est une vidéo un peu spéciale pour vous montrer qu'on pense pas toujours à protéger nos perroquets des vrais prédateurs. Là pourquoi je me lève, c'est parce qu'on entend des cris d'oiseaux et donc mon premier réflexe c'est d'aller vérifier que ce ne soit pas des rapaces, des buses, des aigles, peu importe le rapace. Pourquoi? Parce que Jackson est en ce moment en train de prendre du soleil, elle vient de prendre une petite douche. Et ce qui se passe malheureusement, c'est que beaucoup de gens perdent leurs oiseaux à cause d'un rapace. Il faut savoir quand même que les rapaces sont capables de voir à plusieurs kilomètres de distance pour pouvoir repérer des petits rongeurs, des belettes, des écureuils, moufettes ou autres. Et donc un oiseau comme le vôtre, surtout comme Jackson, avec des couleurs flamboyantes, eh bien c'est du menu facile. Et malheureusement, on n'y pense pas assez. Donc lorsqu'on sort son oiseau comme ça en extérieur, avec ou sans harnais d'ailleurs, pensez-y. Alors Jackson, elle a le choix hein, d'aller à l'ombre. Et là, c'est mieux pour elle parce que ça peut la protéger justement des attaques qui viennent du ciel. Vas-y, continue à faire ton... Jackson, ça y est, parce que papa, il te filme, ça y est, t'es figé. Continue, mon bébé, fais ta petite toilette. Tout va bien. Donc, vraiment faire très attention. Les éperviers. Hein, après, ça dépend des rapaces que vous avez dans votre région. Donc là, c'était des petits oiseaux qui sont dans l'arbre d'en face. Plus de risque pour la belle Jackson. Oui, on les entend là. Mais voilà, toujours garder un œil. Pareil, lorsque je fais du vélo, j'essaie de passer dans des endroits où c'est couvert avec des arbres pour essayer de faire en sorte de minimiser au maximum les risques. Parce que un beau perroquet comme ça pour un rapace, c'est un menu de choix pour nourrir leur bébé. Hein, et surtout dans cette période où on va se rapprocher de l'hiver, où les bébés ont un mois et demi, deux mois, eh bien c'est un moment important pour eux, où ils doivent aller chercher de la nourriture pour pouvoir se préparer à nos longs hivers. Donc voilà, Jackson est toute belle. Je voulais en profiter pour faire ce petit tuto qui peut d'ailleurs servir à beaucoup de gens. Pensez, hein, j'ai énormément de gens qui m'écrivent et qui me demandent « Ah, j'ai perdu mon perroquet, écoute, tout allait bien, puis à un moment donné, je suis allé prendre un verre ou je suis allé aux toilettes, puis je suis ressorti, puis il n'y avait plus de perroquet. » Alors, on a fait des recherches partout dans le quartier et tout, puis on n'a jamais retrouvé. Et ça arrive aussi avec des petits chiens, hein, propriétaires de Shih Tzu, de Bichon, de Yorkshire. Faites toujours attention, ne laissez jamais votre petit chien tout seul courir dans la cour pendant toute une matinée, parce que c'est pas forcément, il n'a pas forcément fait une fugue, il ne s'est pas forcément fait voler par les voisins. Malheureusement, les prédateurs peuvent venir du ciel et ils sont nombreux. Donc voilà, sortir son oiseau pour pouvoir prendre les UVB de façon naturelle, hein, pour lui permettre de synthétiser le calcium, comme ça se passe en ce moment avec Jackson, qui vient de prendre une bonne douche. Alors je me suis éloigné pour qu'elle puisse s'occuper de son plumage. Vous voyez, dès que je bouge, ça y est, elle a une horreur sainte de ce téléphone qui la file et avec qui je parle au lieu de parler avec elle. Alors voilà, je pense que ce petit tuto est très utile pour préserver la vie de nos becs crochus. Hein Jackson, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, mon bébé? Qu'est-ce que tu en penses? Hein, mon amour? Oh, oui, on va faire attention à toi. On va faire attention à toi, mon petit cœur. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, de partager cette vidéo, car si elle vous sert à vous, elle peut servir à d'autres.
un petit tuto. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Titasman alors que tu es un perroquet, n'oublie pas qu'ici tu es sur la chaîne qui donne le plus d'informations sur la façon d'élever et de protéger son perroquet.